viennent en aide. Il est venu pour me tuer. Il est là. Il est là. Il est là. Aidez-moi. Aidez-moi. Protégez votre empereur. Moi, Néron, Augustus Germanicus, vous ordonne de protéger votre empereur. Avis César, ceux qui sont prêts pour mourir, te salue. Il fait l'avantage à un ok. Un T pour exécuter une faible. Appuyez sur triangle pour continuer. Ouais, je mets une couche alors que la cible. Je suis trompé. Ok. Eh bien, bienvenue, messieurs, dames, donc, pour un... Je me fais péter le cul. Bienvenue, messieurs, dames, pour un nouveau petit let's play sur... Rise of Son of Rome. Donc, c'est un petit let's play, comme vous pouvez le constater, qui se passe au temps des Roms. C'est un genre action, action pure et dure. C'est bizarre ça. Faut, moi j'ai pas de touche jaune. C'est rouge. Je pense. Ok. C'est un genre d'action développé et édité par Crytek et c'est sorti en 2014. Bon, c'est difficile, je vois. Toujours aussi difficile de parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'ai eu pas mal de choses et ma thèse à terre. Soutenez les défenses, repoussez l'assaut des barbares. Donc j'ai eu ma thèse à faire par exemple et chose, mais c'est pas grave. J'ai ma thèse à terminer, ça c'est fait. Donc on va pouvoir maintenant se concentrer un petit peu sur les vidéos. Crac, d'essaye. Ça a l'air d'être un jeu bien sanglant, bien sanglant comme on les aime, avec un petit peu. Bien sanguinolent avec pas mal d'action, n'est-ce pas? En même temps, c'est normal. Je pense que vous êtes tous décédés. Pour donner des ordres. Chut, chut, chut.
Donc je sais pas pour vous, mais moi le temps des Romains, ça m'a toujours beaucoup plu. On a fait quelques vidéos sur For Honor par exemple, les Vikings, tout ça, c'est vraiment des choses, des époques assez sympathiques. À vos ordres, la plupart des hommes de la 18e Légion sont aptes au combat. Trois unités auxiliaires sont à votre disposition. Scorpion, archer et un groupe de catapultes. Protéger les portes du palais, organiser les formations défensives. Ok. Ah oui, il y a de la G si vous voulez. Former une ligne, ordonner aux hommes de combler la brèche et protéger le flanc droit. Vous devez protéger le flanc gauche avec les scorpions. En ligne ! À la barricade nord ! Protéger les portes du palais, protéger le flanc gauche. Idée, mais tutoriel 59. Ah, c'est pour viser, ok. Dans le palais. Ouais, j'ai été repoussé par terre. Protéger l'empereur. Pour l'empereur. Général, on les a retenus. Seuls quelques ennemis ont réussi à franchir les murs du palais. Je vais m'en occuper personnellement. Vous avez assez de bravoure pour acheter votre première amélioration. Protéger, servir. Aidez-moi, je vous l'ordonne. Mon empereur. L'ennemi a percé les défenses du palais. Je n'ai que faire de ces barbares! C'est lui qui m'inquiète! Nous devons vous conduire en lieu sûr. En lieu sûr? Il n'y a aucun lieu qui échappe à ce démon! Devons vous mettre à l'abri. Dans vos appartements? Les appartements? Non, non! La cave! Suivez-moi! La cave? Il y a du pinard à la cave! Escortez Néron dans la cave. Pourquoi cette porte est-elle fermée? Attendez. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Je préférerais que vous l'ouvriez. Oh oh. Puis si on a pour gagner plus d'XP, là. Voilà un général. Ah Marche. Fuck.
Go so. Oh, de plein de nuque. Allez hop. Venez. Je suis tombé. Game with Trompesh. C'est la fin. Aïko. Boum, le petit coup de bouclier, ça c'était gratuit. Allez hop, allez dégage. Ok. Oh, je crois que t'as pris un peu cher dans le bois. Bon, protéger l'empereur. Bien, mon gars. Oh, oh. Tu vas brûler, Romain. Tu es le chef des barbares. Même pas peur. Éviter les attaques lourdes. Tu ne fais pas le poids. Ta fin est proche. Pom 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 pom. Crac. Crac. Alors, on voit succès. Vite. Veni, vidi, vici. Écoutez mon histoire. Allez, allez. Oui. Voilà. C'est ça. Vite. Damoclès est revenu d'entre les morts. Je l'ai vu. Damoclès. Et son Damoclès épée est un mythe. Seuls les hommes tuent les hommes, mon empereur. Les dieux nous guident, certes, mais jamais ils n'interfèrent dans les affaires des mortels. Ah oui? Et quel oracle vous a dit ça, général? Mon père. Nous sommes en sécurité ici. Enfin, du moins, je l'espère. Je prie les dieux pour qu'ils nous... sauf. Ah, nous sommes en sécurité ici, mon empereur. Autant que faire se peut. En sécurité, oui, c'est vrai, grâce aux dieux. Mais dites-moi, quel est votre nom, soldat? Marius. Mais mon nom est sans importance. Seule mon histoire compte. Et quelle est ton histoire, Marius? Mon père m'a appris que les dieux déterminent notre destin, mais que nous restons libres de nos actes. Votre destin était d'être empereur, le mien d'être soldat. Le sens de l'honneur de mon père l'a poussé à servir le peuple. Mais nous, qu'est-ce qui nous a conduits sur ce chemin? Qu'est-ce qui a fait de nous les hommes que nous sommes? Mon histoire commence il y a une dizaine d'années.
Quand on était jeune et beau. Père. Marius. C'est bon de te revoir. Alors de quoi ai-je l'air? Regarde-moi, un vrai soldat romain. Tu as l'air en forme, mon fils. Sois le bienvenu. Bienvenue chez toi. Sais-tu où on va t'envoyer? En Alexandrie. Ah, l'Alexandrie, c'est une province des îles. Ta mère sera Alexandra. Je n'ai pas rejoint l'armée pour musarder au soleil, père. Je vais me battre, comme toi, pour l'Empire. Chaque chose en son temps, mon fils. Il faut être patient. Et n'oublie pas, tous tes ennemis ne sont pas sur le champ de bataille. Père? Marius. Moment. Oh. Laisse-moi te regarder. Oh. Comme tu es beau. Mère, je t'en prie. Ta sœur a hâte de te voir. Ils se verront bien assez tôt, mon amour. Pour l'instant, je dois m'entretenir avec mon fils. Bien. Je vous laisse. Je vais chercher ta sœur. Quelque chose ne va pas, père? Chaque chose en son temps. Pour l'instant, montre-moi ce que tu as, Paul. Et c'est sur cette petite vidéo que nous allons arrêter notre premier épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce qui pointe vers le ciel, un commentaire et à vous abonner si vous ne voulez rater aucune de nos vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut !